Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on voit les messages supprimés sur Snapchat. Alors, tu vas commencer par taper sur ton Bitmoji, en haut de ton écran sur le côté gauche. Maintenant, ce que tu fais ici, c'est récupérer dans les messages qui étaient supprimés par tes amis lorsque vous étiez en conversation. Alors, ce que tu fais ici, c'est taper sur l'icône paramètres, en haut de ton écran sur le côté droit. Puis, tu vas chercher la rubrique mes données, tout simplement dans contrôle de confidentialité, tu vas taper dessus. Alors maintenant, ce que tu fais ici, c'est entrer ton mot de passe. Alors je vais entrer le mien ici. Alors maintenant, ce que tu vas faire ici, c'est choisir déjà donc le format dans lequel tu souhaites télécharger tes fichiers, tout simplement. Alors si tu veux télécharger donc des fichiers en format HTML ou JSON, tu vas choisir donc ce qui te convient. Je vais laisser ceci donc en fichier HTML, tout simplement. Tu vas faire de même, tu vas cocher donc l'historique des chats. Parce que ici tu veux donc retrouver donc les messages supprimés. Puis tu vas taper sur suivant tout simplement. Et ici tu vas donc choisir une période qui va te permettre donc de recevoir ou de retrouver les fichiers ou les messages que tu as donc supprimés et tu souhaites récupérer. Alors lorsque tu auras mis donc une période ici, tu vas taper sur envoyer. Et là maintenant, Snapchat va te notifier lorsque tes messages seront disponibles. Et tu auras donc 4 jours pour pouvoir télécharger cela.